Eh bien, je suis Pauline Moser, donc j'ai 24 ans, je suis originaire de Haute-Marne. Mes passions, ce sont le dessin, les mangas, ainsi que la moto. Et je suis technicienne bureau d'études mécaniques au sein de Stéritech. Les études que j'ai faites, alors j'ai commencé par un bac S-SI, donc ça correspond aux options maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et ensuite, j'ai fait un DUT GMP, donc maintenant ça s'appelle un BUT, génie mécanique et productique. C'est un bac plus 2. Alors, j'ai choisi ce métier parce que justement, il met en lien deux de mes passions qui sont justement le dessin et la mécanique. Alors, en tant que dessinateur industriel, je travaille principalement sur un logiciel 3D. Ensuite, on est en lien avec les commerciaux. Donc lui, justement, va récupérer toutes les informations dont on a besoin. Il va nous les fournir. Nous, avec ces informations, on va justement commencer à concevoir la machine, faire justement les calculs pour dimensionner cette machine. Donc ensuite, on fait notre travail, on modélise tout ça sur notre logiciel en 3D. Et ensuite, on va avoir un lien avec la production. Et justement, ensuite, pareil, on va échanger avec eux qu'est-ce qu'on devrait améliorer, faire par rapport à ce que j'ai déjà travaillé. Ensuite, je retravaille à nouveau là-dessus. Et la machine est terminée. Alors, je n'ai pas de lien direct avec les clients ou les fournisseurs. Donc, je n'ai pas spécialement besoin de parler anglais ou allemand, car on se trouve à côté de la frontière allemande. Mais en soi, il est bien que je sache quand même comprendre l'écrit parce qu'on peut quand même avoir des échanges de mails. Eh bien, on va dire la compétence principale, comme dit, c'est la maîtrise d'un logiciel 3D. Donc moi, par exemple, dans mon cas, lors de mes études, j'ai travaillé sur un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Dans la première boîte où je suis allée, j'ai travaillé sur un autre logiciel. Et maintenant, je travaille encore sur un nouveau. Donc, en soi, il y a toujours leur petite subtilité entre eux. Mais connaître déjà le principe de comment ça fonctionne est déjà un gros plus et un bel avantage pour ce métier. Donc, au niveau des formations, il y a sur ce nouveau logiciel de modélisation 3D que je ne connaissais pas avant, où j'ai été formée en interne. Mais je sais que certains de mes collègues ont aussi été formés pour tout ce qui est réglementation ASME. C'est ce qui concerne justement les soudures au niveau des cuves. Alors, moi je suis originaire de Haute-Marne, donc j'ai décidé d'aller en Alsace. Donc j'ai commencé à chercher différentes entreprises dans le coin et j'ai entendu parler justement de Stéritech par mon copain qui travaille justement par ici. Bien, je vais d'abord commencer pour donner un petit conseil pour les filles qui regardent. Certes, c'est un milieu principalement masculin, mais il ne faut pas avoir peur justement d'y aller, parce qu'on y est très bien accueilli. Et en général, comme je disais, moi j'étais principalement, mes passions sont les dessins et la mécanique. En faisant ce métier, j'ai réussi à regrouper mes deux passions en un même point. Continuez à faire ce que vous aimez.